Ottawa, Cameroon in football with the winning team, PW Bamenda, alias the Abaco Boys. I can imagine the dancing you can see in the stands. It's like the day will be quite alors long. Ce chapeau mythique, tout le monde l'a finalement sur la tête. Chapeau mythique de Bamenda, le ministre Jean-François Dongo. Et également là, tous les membres du gouvernement sont venus à l'appel du peuple, c'est normal. Le chef du gouvernement est là pour représenter le président de la République qui donne l'impulsion et qui nous a gratifié, n'est-ce pas, des infrastructures de rêve. Lorsque nous venons ici au stade Amadou Aïdjo, nous pouvons jouer cette même finale au stade de Kouékon. On peut la jouer au stade Oumdéadja, à Garoua. On peut aller à Bepanda, à Jacoma, à Oulébé. Décidément, il y a 35 stades flambant neufs qui sont sortis de terre à l'occasion de cette CAN. C'est l'héritage que le chef de l'État, Gopia, lègue, n'est-ce pas, à son pays, le Cameroun, qui devient la locomotive de football de l'Afrique subsaharienne, il faut le dire, avec ses infrastructures, des rêves. Il faut être fier d'être Camerounais. Il faut dire merci au père du renouveau national. Merci. Oui. It's not time for the honor the 22 gladiators that kind of honored the population that came out here first, Celine Co. Who was the match commissioner and the referees for the game? The referees for the game, that was a central referee here. That was Eluga the King. Now, this is assistant number one, Sally Eric, and number two, Bubu John. And now it's going to be the turn of the fourth official with the span. Ntangane, Jean Honoré. I love that this is the disaster of Douala. Les As de Douala et là c'est Christian Degoué qui est passé. Rodrigue Tchatchoua qui reçoit sa médaille de finaliste. Et oui, Axel Ronald Dana, ancien joueur du canon sportif de Yaoundé. Et l'Union de Douala. Et l'Union de Douala aujourd'hui dans les As. Quatrième finale perdue décidément pour les As. Il faut conjurer, n'est-ce pas, ce sort. Léon, oui, on n'a pas été à la hauteur d'avançant des As. Et là, c'était Teddy Baïmakon. Le staff administratif. We would want to salute the players of both teams. For about being out for about close to 6 months to that active football, they were able to give a very good account of themselves. The level of performance was quite appreciable. Disaster played with a lot of physique. Là, c'est Monsieur Moyo Gervais, qui est secrétaire administratif des As de Douala. Il récupère aussi sa médaille. Varga Foué, Chapdet Innocent, l'intendant du club. Camdem Dédonné, le président de cette équipe, il est également président de Faubourg de Baham, originaire justement des Hauts Plateaux. Et là c'est Boyomo. Léon Boyomo. Alors, ancien joueur du club de Bamenda. Exactly. He was even the best corner in the national championship. Et voici Monsieur Camdem. Hein. Ce Camdem justement, pas celui qui est passé avant, il échange un peu avec le premier ministre, vous savez que c'est un opérateur économique. And now comes the Abaco Boys. They will be giving their shiny medals and trophies. And this is goalkeeper Karim Bello. Très bon match du gardien de but des As. Depuis l'objet de Bamenda. Guillaume Tazo ne peut pas se louper. Il faut observer un petit sourire. De mon collègue, Guillaume Tazo, qui est quand même originaire de Bamenda, et que je peux dire félicitations tout de même.
Parce qu'il faut le dire, il est quand même originaire de cette belle région, Kylian Tazo. Non, I might be from the Northwest region, but I support good football. Ah ouais, vous connaissez le village Batibo, c'est le village de mon collègue et ami, hein, Kylian Tazo. Ok, this is Jesse number 9, Aboubakar Mohamed. Il est entré en cours de jeu. Number 11, that was guy brings Elijah Chua. Great performance from the Bako boys. It took them 43 years to win the trophy. They tried in 1967, but beaten by Canon of their own, they won nothing. They tried again in 1979, beaten by Tinamo 3-1. And 43 years afterwards, coach Pagu, David Pagu, has come over to give Babenda. He gave them the championship, he gave them the cup. This man deserves to be adopted by the Bamenda population. Absolument. He has given them everything, I must have to say. On doit lui construire un monument à Bamenda, David Pagu. Il a donné le championnat à cette équipe en 2020. Le voici qui lui redonne la coupe en 2022. He merits it. Et il a supporté beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage aussi pour ce garçon. Jemane Le Senge, the man who is coming after, is the president of the PW Bamenda, Pascal Abunde. Oui. He deserves it, the young man who revives PW Bamenda. Très dynamique, très rassemblant ce garçon, Pascal Abunde. Très bon président. Il rassemble toutes les lignes, il fait l'unanimité ce garçon. And he is the president of the Cameroon Association of First Division Presidents. Ah oui, il est le président de Ligue 1, Pascal Abunde. And now is the moment for the Golden Fleece. Burundi Derek has wait and get the call from the Prime Minister of the Republic in front of the dignitaries. And you cannot hide that smile. That smile comes after 43 years of waiting. We can imagine the celebrations in the streets of Bamenda. Combien d'années sans trophée? 43 years. They waited for 43 years. Ah oui. L'identité de Bamenda, il est content. Le capitaine de cette sélection, Derek Bourignou. Qui va certainement revenir sur la pelouse, continuer avec les siens. Quelle fête. Le chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'Espoir et de l'Éducation physique, va quitter la scène. Les anciens ministres d'Allemagne le suivent, le gouverneur de la région du Sud, les autres membres du gouvernement. La fête va s'achever au stade Omnisport de Yaoundé. Et cette finale, la Coupe du Cameroun, contrairement à celle de 2020, va inaugurer plus tard la saison.